Lundi 8 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur National TV. Selon le calendrier des faisons, la journée d'aujourd'hui est une journée favorable pour toute action spirituelle et favorable également pour toute action matérielle et physique. C'est placé sous le signe médian. Le signal est ouvert. Pour vous qui croyez en ces détails, prenez les dispositions qui s'imposent. La présentation de la une des journaux qui va démarrer par le quotidien Nord-Sud Quotidien qui a mis en titre ce matin. Coton. La campagne 2023-2024 s'annonce radieuse. Autre titre que nous propose Nord Sud Quotidien, mesdames et messieurs, distribution du gaz naturel WAPCO donne des détails sur l'activité dans 4 pays. Plus de précisions sur ce titre, c'est à retrouver à la page 2. Autre titre que nous propose Nord Sud Quotidien, cantine scolaire à Porto Novo. La mairie débloque plus de 32 millions francs CFA. Projet SWEDD Bénin, des équipements offerts aux maternités et hôpitaux. Nassiara s'installe à présent, mesdames et messieurs, avertie d'une campagne d'intoxication contre la formation politique. Le parti Les Démocrates avertit et prend l'opinion à témoin. Autre titre, nomination des ministres conseillers, une première liste ne fait pas l'unanimité. Difficile manœuvre pour Talon. Et au niveau de la santé, le centre de santé de Comé à l'arrêt. Un drame sanitaire pour les populations en perspective. Le quotidien qu'on retrouve à présent, mesdames et messieurs, le matin, qui a mis Cotonou, fin des travaux du dialogue mondial des jeunes. Le Bénin s'engage aux côtés du FNUAP pour le respect des promesses du Quai 1994. Plus de précisions sur ce titre, mesdames et messieurs, c'est à retrouver à la page 6. Loterie nationale du Bénin. Forte mobilisation des parieurs du 5 sur 90 autour d'une grande caravane. Le territorial s'installe. Clôture du dialogue mondial de la jeunesse à Cotonou. Des recommandations concrètes à l'endroit des décideurs mondiaux. L'UNFPA s'engage à faire considérer les avis des jeunes. Le ministre Biotchane satisfait de la qualité des échanges promis. Pour améliorer la qualité des soins, SONU, des équipements médico-techniques offerts à 12 formations sanitaires. Mesdames et messieurs, plus de précisions sur ce titre avec le territorial, c'est à retrouver à la page 5. Le leader du jour s'installe, fin du mois de jeûne musulman au Bénin. Saïd Soufiano mobilise la jeunesse de Porto Novo autour du festival Ramadan British Party. Un géant concert prévu pour le vendredi 12 avril prochain. Les populations de Porto-Novo invitées à venir se défouler. Des artistes du Nigeria et du Bénin pour une affiche des grands jours. Mesdames et messieurs, autre titre que nous propose le leader du jour ce matin, après l'altercation entre forces de l'ordre et population de la commune d'Adjoum, le conseil communal et le préfet de l'OME rappellent les populations à l'ordre. Le chasseur info s'installe à présent, élection professionnelle sectorielle 2024 dans l'enseignement. L'alliance AUBE nouvelle arrache encore les 8 sièges du supérieur. Vous voulez en savoir plus sur ce titre, mesdames et messieurs? Procurez-vous du journal Le Chasseur Info à la page 3. Autre titre, promotion de l'excellence en milieu scolaire à l'ALO. L'ONG Novinou analyse le premier semestre de 2024 avec les meilleurs élèves primés en 2023. Mesdames et messieurs, poursuivons la présentation de la une des journaux sur National TV, le quotidien qui s'installe à présent. L'emblème du jour qui a mis déjà 8 ans de pouvoir de Patrice Talon, Claudine Talon, avant qu'on n'a rien reçu. Autre titre, après la statue de l'Amazon à Cotonou, Porto-Novo s'apprête à recevoir sa statue, le roi Tofa Ier. Autre titre, remise de chèques aux écoles bénéficiaires de cantines scolaires à Porto-Novo. Yankoti et son conseil municipal en appui au gouvernement. Le potentiel s'installe, appui du gouvernement aux communes du Bénin, la gratitude de Luc Atropo et des maires à Talon.
avril 2016, avril 2024, 8 ans de gestion du pays talon une gouvernance des mérites et des déceptions. Infrastructure des points incontestables de progrès, économie sociale, éducation, santé, sécurité. Économie sociale, éducation, santé, sécurité, des avancées louables, réforme politique, le point noir des critiques. Mesdames et messieurs, autre titre que nous propose le potentiel ce matin, réalisation d'infrastructures routières sous talon à Posotomé. Gustave Akodjinou et Posotomé reconnaissant au président talon. La nation s'installe à présent, équipement des hôpitaux et de la SOBAPS, le système sanitaire renforcé. AN8 de Patrice Talon, de forts engagements pour garantir l'accès à la santé. Bénin Intelligence s'installe à présent, fin du dialogue mondial des jeunes. Je cite, j'invite les jeunes à rester connectés. Les jeunes insistent sur le droit, le choix et la dignité après à la libération de Palestine. Autre titre que nous propose Bénin Intelligent, mesdames et messieurs, déclassement du stade GMK, tout ce qui dépend du gouvernement sera fait. Fraternité pour boucler la boucle. Mesdames et messieurs, dialogue mondial de la jeunesse à Cotonou, le credo de la relève, un monde juste et équilibré. Autre titre que nous propose Fraternité pour finir, appui du gouvernement aux communes, Luc Atropo et les maires reconnaissants envers le chef de l'État. Mesdames et messieurs, voilà que nous sommes à la fin de cette présentation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.